puisqu'il fallait venir nous défier en organisant un nouveau concert, alors que la diaspora s'y oppose. Aujourd'hui, je vais vous révéler preuve à l'appui, image à l'appui, les plans de Fally, qu'il est non seulement un accompagnant des occupants, mais c'est aussi lui-même un occupant qui se moque de nous et qui nous nargue. Lorsqu'il fait ce symbole-là en disant aigle, ce n'est pas l'aigle que vous pensez, et je vais vous le démontrer. Si nous vous disions les implications financières entre gouvernements, soit le gouvernement français, le gouvernement congolais, ainsi que les Rwandais, sont là, sont clairs. C'est tout simplement parce que le lieu où Fally Upupa a joué son concert, c'est la salle Omnisport Arena. Or, cette salle, justement, appartient à l'État français au travers de Accor. Accor, c'est un groupe financier, c'est un groupe d'hôtels, c'est un groupe de services français. Accor. Raison pour laquelle vous ne serez pas surpris de voir qu'au-dessus donc, de la salle Omnisport où a joué Fally Upupa, c'était marqué Accor Arena. Donc la salle Omnisport Accor Arena. C'est aussi la même où a été piégé DSK, Dominique Strauss-Kahn. Oui, Dominique Strauss-Kahn, cet ex-directeur de la Banque mondiale, candidat à l'élection présidentielle française, mais piégé par les charmes des postérieurs d'une certaine Nafissatou Diallo, femme de ménage, à l'hôtel du groupe Accor, autant que Arena ex-Bercy, où a joué ses Fally Upupa. C'est l'hôtel Sofitel à New York. Là maintenant, vous comprenez pourquoi cette implication, pourquoi autant de problèmes, pourquoi autant de secrets. Donc cela explique le pourquoi du fait que le ou la mairesse Anne Hidalgo ou autres n'ont pas voulu arrêter ces concerts. Ils savaient ce qu'ils faisaient, tout simplement parce qu'il y a des implications financières. Donc ça c'est aussi une preuve supplémentaire qui démontre que Fally Upupa est un accompagnant, non seulement un accompagnant des occupants, mais il est également lui-même un occupant. Nous n'avons rien contre vous. Nous avons contre vous votre attitude et le fait que vous voulez détruire notre jeunesse. Comment expliquer que pendant votre concert, et tout le monde l'a vu, qu'il y ait eu autant de jeunes filles en mini-jupe, des très jeunes filles et même des mineurs en mini-jupe? Sinon, comment expliquer le fait que dans vos chansons, qu'il y ait des slogans aussi dégoûtants qui disent « Mama, Pesasima, Papa, Abetambunda ». Et je vous épargne tout le reste. Les musiciens qui ont accompagné Fally Upupa ont dit qu'ils ne sont pas des Fally, mais qu'ils sont des Watanabe. Mais mes chers amis, vous avez vu les vidéos, je dis bien au pluriel, de ces chers messieurs Watanabe qui a pris une femme qui, avant de copuler avec, était en train de les regarder comme un reptile en train de dominer sa proie avant de l'avaler. Non seulement ça, mais il prend cette vidéo, je vous épargne toute la pornographie qui a suivi après et ensuite il l'a diffusée sur le net. Les musiciens de Watanabe qui ont accompagné Fally ont fait ce qu'ils ont appelé entre guillemets leur délire. Leur délire donc, un délire consiste justement à copuler avec une femme sexuellement et ensuite à diffuser la vidéo dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Ceci est dégoûtant. Et vous voulez que nous vous confions nos enfants? Vous voulez que nous puissions payer des billets avec l'argent, comme vous le dites si bien, de nous qui avons soi-disant des cadavres ici en Europe? Vous voulez que nous payions vos concerts, nous qui avons les postérieurs des vieux tels que vous nous injuriez, nous qui souffrons ici, nous qui ne gagnons pas beaucoup d'argent? Ah ça non, nous ne vous confierons pas nos enfants. Et Congolaises, Congolais, ne les laissez pas faire. Aigle, je vous révélerai toute la vérité. Que cet homme-là, et c'est aussi un occupant, ce symbole-là, c'est le symbole des occupants. Je m'explique. Vous savez ce symbole-là, tel qu'il le fait? Aigle. Ceux qui l'ont commencé à le faire, c'était des Albanais, des joueurs albanais, surtout lorsqu'ils ont marqué un but. Tout ceci pour arborer leur supériorité sur l'aigle yougoslave, en leur arrachant les Kosovo. Ils n'ont fait que ça, voilà. Ça pourquoi? Ça a commencé par Yakin. C'est un joueur albanais qui évolue en Suisse. Et ensuite, pendant la Coupe du Monde, vous avez vu des joueurs albano-français faire les mêmes symboles. Alors, cela a provoqué un grand tollé. Donc, comme parenthèse, je dirais que cela a provoqué un grand tollé au niveau français. Pourquoi? Tout simplement parce que les Français ne comprenaient pas comment des personnes qui se disaient français, mais qui faisaient ces symboles-là, qui veut dire l'Albanie. L'Albanie ou le Kosovo, tout simplement. Si je parle de tout ça, je voudrais vous dire que je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas n'importe quoi. Les Albanais, je les ai fréquentés de près. Et là, je vous présente les preuves. Voilà, puisqu'on parle des Albanais, ils sont là. Je suis là habillé en vert, donc au milieu de ces femmes et des hommes. Je suis là habillé en vert. Voilà, donc je les connais bien. En tout cas, si je peux dire une chose, c'est vrai que ce sont des bons bosseurs.
mais c'est aussi des gens extrêmement violents et bagarreurs. Dans le quartier où j'habitais à Clarens, il y en a qui ont violé des femmes. Donc, exactement comme les Rwandais. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne référence que je puisse dire. Justement, nous étions invités auprès des Albanais et je me souviens qu'ils m'avaient donné un cadeau. Voilà. Ce cadeau, je l'ai retrouvé. Je ne l'ai d'ailleurs jamais ouvert. Je m'étais dit, bon, je l'ouvrirai un jour et puis, bon, ben, voilà, je mettrai à titre décoratif ce symbole. Donc, voilà, je viens vous montrer. Vous voyez, c'est ce symbole-là. Donc, vous voyez, il y a la tête de deux aigles. Je vais expliquer le symbolisme de deux aigles. Donc, hein, donc c'est ça. Donc, ils font ça. C'est un signe d'occupation. C'est un signe d'occupation tout simplement parce que, comme je vous expliquais au départ, les Albanais avaient occupé la Serbie et par la suite, ils demandaient leur indépendance. Aujourd'hui, ils ont un autre pays. Donc, hormis l'Albanie, eh bien, ces groupes-là d'Albanais qui s'étaient installés en Serbie, aujourd'hui, ont un pays chez les Serbes. Ce n'est plus la Serbie, mais c'est le Kosovo. Avec l'aide des mêmes Occidentaux, l'aide des mêmes Français aujourd'hui qui ont permis cette abomination, les concerts des Fali, ainsi que ces sbires qui sont des antivaleurs. D'ailleurs, après ces explications, je vais décortiquer le fait que ce sont des malfaiteurs. Hein? Donc, je vais décortiquer, je vais démontrer par A plus B que ce soit Watanabe, que ce soit Louis Fali, c'est tous des associés de malfaiteurs. Je ne viens pas injurier, mais je ne viens que parler de la vérité. Mes chers amis, tel que vous voyez là les photos, tel que je les présente, j'étais là et j'ai parlé avec eux, j'ai mangé avec eux. Ils m'ont bien expliqué ce symbolisme. Voilà, c'est tout neuf, hein? C'est la première fois. Je n'aime pas faire ça, mais en tout cas, c'est la première fois que j'ouvre ces boîtiers parce que je ne voulais pas l'ouvrir. Du fait que, voilà, question de bienséance, je m'étais présenté là-bas comme vice-président de l'association des Congolais parce que nous devrons vivre dans le communautarisme. Cependant, je n'approuve pas le fait de pouvoir piquer le pays de quelqu'un d'autre. Ok? Alors, ce symbolisme-là démontre deux aigles. Lui, il n'est pas un aigle. Déjà, s'il était un aigle, il y aurait eu un seul aigle. Or, malheureusement, tel que vous pouvez le voir, il y a deux aigles, ok? Deux aigles. Ce sont deux aigles superposés avec quatre pattes, mais vous ne pouvez pas voir les quatre pattes car ils sont tous les deux de profil. Et ça donne deux ailes ainsi que deux pattes. Mais si on regardait de face, deux aigles, ok? Alors, ces aigles, au fait, ce sont deux forces spirituelles. L'une catholique romaine, donc des Templiers, parce que, disons-le, les Albanais ainsi que les Italiens, ils ont un seul ancêtre. On les appelait les Illyriens. Ok? Allez voir les historiens. Ils vont vous dire que les Albanais ont leurs ancêtres qui sont des Illyriens. Ok? Ainsi que quelques peuples de l'Europe du Sud. Les deux aigles, ce sont deux forces spirituelles. L'une est catholique romaine, c'est-à-dire des Templiers, hein? Et l'autre est orthodoxe. Ok? Voilà, chez les orthodoxes, on trouve beaucoup de mystiques, ok? Alors, cette opposition, cette superposition qui était jadis une opposition, s'était mise ensemble. Et lorsqu'ils se sont mis, ils s'étaient mis ensemble, et c'est comme ça qu'ils ont formé deux aigles, ok? Ce n'est pas un seul aigle, parce que là, comme vous voyez, il y a deux têtes. D'ailleurs, lui, voilà, la médiocrité oblige, hein? Fali, il les fait comme ça. Il les fait comme ça, et ben non, c'est comme ça, déjà. Mais, au fait, Fali est en train de se moquer de nous parce que le Rwanda a occupé le Congo, parce que Fali maintenant travaille avec M. Yuma qui, du point de vue des informations aujourd'hui en notre possession, son producteur c'est M. Yuma, c'est Yuma Production, ok? Donc le ministre des Mines. Or M. Yuma, son chef c'est Kagame. C'est un chef inféodé à Kagame autant que l'est Hippolyte Kanambe ainsi que Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on va parler. Notre pays est occupé. Nous voyons les occupants arriver. Des gens qui ont une tête qu'on n'a jamais vue. Des gens qui veulent nous imposer une cinquième langue. Fali travaille avec eux. Les gens qui veulent nous imposer le Kinyarwanda comme cinquième langue. Fali travaille avec eux. Et c'est comme ça que vous avez vu que les Rwandais l'ont soutenu. Et par la même occasion, les Français aussi l'ont soutenu. Autant fallait le faire pour démontrer la grandeur de l'aigle rwandais qui domine l'aigle congolais. Il n'a pas une vision d'aigle, car le véritable Congolais qui a la vision d'aigle permet aux Congolais de pouvoir être ensemble. Le véritable Congolais va agir comme ce monsieur Kizito Mihigo, l'artiste rwandais qui a été tué
pour ses convictions. Cependant, ce monsieur Fally mange à la main des occupants et il nous nargue avec son symbole d'aigle. Car celui qui a la vision d'aigle va réunir le peuple congolais. L'artiste qui a la vision d'aigle va faire que le Congolais soit glorieux. Or, aujourd'hui, nous sommes très mal vus en France à cause de lui. Et il n'arrête pas de nous défier. Il n'arrête pas de faire l'imbécile. Il n'arrête pas de nous défier en nous disant qu'il va encore organiser un autre concert en Angleterre. Il veut que nous puissions être mal vus partout, partout dans le monde, à cause de ses intérêts personnels. Il n'a pas de vision d'aigle. Les aigles, généralement, sont en exil. Ils se sont déplacés, même dans des pays d'Afrique, pour défendre leur peuple, pour défendre leur pays, afin de dénoncer les mal. Sauf que Fally reste là à accompagner les occupants. Notre pays est aussi un pays occupé. Et ce cher monsieur Fally reste là, alors que de véritables aigles, on les connaît. Les véritables aigles, il s'agit de Myriam Makeba. Les véritables aigles, il s'agit d'Alpha Blondy. Alpha Blondy qui chante même pour les Congolais, alors qu'il est ivoirien, il n'est même pas Congolais. Regardez les véritables aigles. Ce sont eux. Lui, il a une vision pour ses intérêts personnels. C'est vraiment pathétique et antipathique. Vous voulez savoir quoi? Son musicien l'a dit, vous l'avez entendu, que l'un de ses enfants joue au PSG. Le PSG, c'est quoi? Le PSG, c'est l'équipe de football que soutient aujourd'hui le Rwanda. Le Rwanda officiel, bien sûr, Kagame. C'est l'équipe de football qui est en train, donc le PSG, le Paris Saint-Germain, l'équipe, une équipe française, Fally est un occupant. Fally se moque de nous. C'est les Rwandais qui sont en train de se moquer de nous au travers de Fally. Ok? Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé. Beaucoup d'argent a circulé. Des promesses minérales ont été promises aux Français afin de permettre ces concerts. Regardez ce qui s'est passé. Je ne suis pas un anti-français. Dieu sait que j'aime la France. Dieu sait que j'aime Paris. Par obligation, parce que, en principe, je devais être chez moi, au Congo, en train de soigner les gens. Mais j'étais obligé de venir ici en exil, en Suisse. Pourquoi? Et aller de temps en temps à Paris pour me changer mes idées, car là-bas, il y a une plus grande communauté congolaise. Lorsqu'on se retrouve à Château d'Eau, eh bien, on est comme en Afrique. On sent les effluves d'Afrique. Donc, je ne suis pas un anti-français. Mais lorsqu'il y a quelque chose de mal, il faut dénoncer. C'est M. Macron qui a épousé la femme qui a l'âge de sa mère. Eh bien, c'est lui qui nous a foutu dans ce bordel. Ne l'oublions pas, ok? Fally est en train de nous narguer. Fally est un occupant. Fally joue le rôle des occupants. Il nous fait ça autant que les Albanais, à chaque fois qu'ils marquaient les buts, ils faisaient ça pour dire « Nous sommes des Albanais qui avons envahi, nous sommes des aigles, nous avons volé, nous avons pris la Serbie et c'est devenu Kosovo, Nanko, c'est-à-dire exprès. » Bravo, c'est leur droit. Nous tournons en démocratie, non? Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est mal. Raison pour laquelle, mes chers amis, ne laissons pas ces concerts continuer. Monsieur Fally Ipupa a joué par défi. Il voulait nous défier, mais avec l'aide des Occidentaux. Vous vous rendez compte le nombre de pertes qu'il y a eu aujourd'hui avec tout ce qui a brûlé. Et même France 24 le soutient. Même France 24 le soutient. Vous vous rendez compte combien d'argent circule, tel que je vous ai montré là. Ok, c'est le symbole des occupants albanais, ceux qui ont occupé la Serbie, qui aujourd'hui est devenu le Kosovo. Ce sont des Albanais, ce sont des albanophones. Ils ne parlent pas yougoslave, ils parlent albanais. Ok, c'est leur droit, hein? Encore une fois. C'est mal, mais c'est leur droit. Mais nous ne permettrons pas que le Rwanda nous vole notre pays. Fally, nakolobango na lingala po yoka bien. Je vais le dire en lingala pour que tu entendes bien. Bokoboto la biso mboka na biso te. Ata ba pesio ba million. Ata ndenge bo défier biso. Toyebi ke bakosopa mbongo parce que tu as fait un sacré bon boulot. Donc tenter de diviser les Congolais, amener la distraction, mais je ne veux pas m'arrêter là. Certains vont dire c'est un débat de basse classe. Non, je veux ce soir, avec la suite de cette émission, démontrer que ce soit Fally, que ce soit Watanabe, que ce soit les autres, ce sont des oiseaux du même plumage. Autant qu'on voit ces oiseaux-là, hein, ce sont des oiseaux du même plumage. Ils sont là pour faire du mal, pour amener les chaos, des conflits dans les couples, pour faire du mal à nos femmes qui sont ici en Occident, et puis pour détruire notre jeunesse. Et ces musiciens nous amènent les bordels. Ils disent quoi? Makambwana vidéo na bazo laksa nga mutu na sala ki yango mais mutu ya panza ki yango ezali mais moi si alingaka kitsangai non 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 ezabangi na bino bo beta ka tellement bangi
que Hermo salera image qui et ça bino moko non et ça bangina bino obenyango délire non ça ce qu'ils étaient en train de faire là mes chers amis ils l'ont appelé le délire c'est-à-dire ils sont en train de permettez-moi mes amis les papas les mamans copuler avec une femme ils font une vidéo et ils l'exposent et tout ça c'est normal voilà alors ils disent qu'ils ne sont pas les musiciens de Fally, mais ils sont des musiciens de Watanabe. Mais vous êtes tous les oiseaux du même plumage. Parce que regardez ce que Watanabe a fait. Ça, c'est aussi un délire. Un autre délire, bien entendu. OK? Un autre délire, oui. C'est génial. Un autre délire. Je vous mets tout ça comme pièce à conviction. C'est une preuve. Les paroles ne s'envolent plus avec les concerts qu'ils ont fait là. Je plains les prochaines victimes. Ils vont séduire, comme c'est des superstars, avec certaines mais bon, kebaka. Si que le peuple congolais, binoba oyo boke koko ta concert wana. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes content avec ça? Vous êtes complice. Expliquez que pendant votre concert, et tout le monde l'a vu, qu'il y a eu autant de jeunes filles en mini-jupe, des très jeunes filles, et même des mineurs en mini-jupe. Sinon, comment expliquer le fait que, dans vos chansons, qu'il y ait des slogans aussi dégoûtants. Il y a pas de concert. Oui, Fally, 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 Ba komi ko banga, ba komi ko luka, mbila a protéger bango. Bota la bana mikie. Bota la eloko tozali. Bota la eloko tozali ko dénoncer. Bana ya mikie bande kolangai. Bana ya mikie. Bana na biso ya mikie. Bota la bana. Bota la bana, baye concert. Bana ya mikie, ba 16 ans, 17 ans. Bota la, lelo vendredi, bana ba kimi classe. Bana ba kimi classe. Aujourd'hui, nous sommes comme perdus. Pendant ce temps, il y a 3 jours de cela, nos frères et nos sœurs ont risqué leur vie. Regardez. On va mourir ici, non? On va mourir! Ça, on vole, ça, c'est les Grecs! On va tuer les Africains! Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, les Unions européennes! Ce n'est pas bien! Ça, ce qu'ils étaient en train de faire là, mes chers amis. Ils l'ont appelé le délire. Le délire. C'est-à-dire, ils sont en train de, permettez-moi mes amis, les papas, les mamans, copuler avec une femme. Ils font une vidéo et ils l'exposent. Et tout ça, c'est normal. Voilà. Alors, ils disent qu'ils ne sont pas les musiciens de Fally, mais ils sont des musiciens de Watanabe. Mais vous êtes tous les oiseaux du même plumage. Parce que regardez ce que Watanabe a fait. Ça, c'est aussi un délire. Un autre délire, bien entendu. OK? Un autre délire, oui. C'est génial. Un autre délire. Je vous mets tout ça comme pièce à conviction. C'est une preuve. Les paroles ne s'envolent plus avec les concerts qu'ils ont fait là. Je plains les prochaines victimes. Ils vont séduire comme c'est des superstars avec certaines mais bon, kebaka. Si que le peuple congolais, binoba oyo boke koko ta concert wana. Vous êtes d'accord avec ça?
Vous êtes content avec ça? Vous êtes complice?